بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إيبان كنا إيمان، إن الأفغياب الله حق تقاته، ان فغيل افغيير ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان ابامو اكسبتي دان ليتات دو سوميسيون بان فريك بان سير شاك كوميونيتي شاك بوبل فيناز فين اناز بان هيرو الا نو جيت بان هيرو دو بان بوبل افان فريمون زو تي بيتيت كلكو بار زو تي ميريت سا تيت هيرو لا ان نو جيت بان هيرو لونتا زو تي براف دان لا غير ان نو جيت بان هيرو لونتا بان هيرو غريك بان هيرو رومان de petits graves, de petits braves dans la guerre, soit de petits philosophes, de petits bons penseurs, de petits mérites, sa petite héros là. Malgré si vous prenez eux et pour que ces autres avec ban héros de l'islam, je vous parais de Koumadian Labouzi qui n'a limé dans le soleil. Mais c'était ban héros. Mais aujourd'hui, il y a nous ban héros qui ban peuple peut pousser de l'avant, ban héros qui ban dimoun peut adorer le journal, peut adorer partout la télévision, c'est ban héros qui peut propager l'indécence, ban héros qui peut propager la relation sexuelle, ban héros qui peut propager fitna, peut propager cirque, peut propager satanisme, etc. etc. Je n'ai pas digne pour appeler les autres ban héros, je n'ai pas digne pour appeler les autres ban stars. À cause de ça, ban frère, ban sœur, il est important pour nous représenter, nous ban héros de l'islam, nous ban héros qui le monde fin connu. Ban héros musulmans qui le monde fin connu, qui fin remplissent le monde là avec lumière. Et dans ma petite recherche, nous fin arriver tape avec un khutba qui fin faire par un cheikh qui appelle cheikh Mohamed Hassan, l'ON héros de l'islam. L'ON Zimoun qui vraiment fin moque l'histoire. Un jeune qui fin moque l'histoire. Et aujourd'hui nous présente de sa khutba là, un résumé de sa khutba là, nous pour présente sa langue arabe. Et nous pouvons essayer de traduire tout ce qui s'achève là, fin de dire, en grosso modo. Alors, ce manfrek, banser, nous demandons de toute l'attention. C'est un de ban plus joli khutba qui nous finit arriver, tendez, nous finit arriver, lire dans nous la vie. Khutba a commencé comme ça. La in kanati shams nubu wa qad ashraqat ala ardi al jazira. Si la lumière de la prophétie, le soleil de la prophétie, fin éclaire la péninsule arabe. فبدت ظلام شركها سنواتي دو شرك فين انليفي وجعلت ليلها كنهارها سلا نوت فين فين لي جو فان الصحابه كانوا النجوم التي تعلقت بتلك الشمس بن صحابه الكرام رضي الله عن رضي الله عنهم سيزوت بن زيتوال كي فينا pendant avec sa soleil واقتبست من نورها زو فين بويز دو سا لوميير فاذا بالاسلام يتحول الى واقع منظور الوس الاسلام من فين ان رياليتي كي فيزيبل والى مجتمع متحرك اللي فين فين ان سوسيتي كي ان موفمون وان تلك النجوم لا تزال تتالق وتشرق وتنشر نورها على الدنيا اي سا لوميير سا من زيتوال لا زو بي كونتي فانزوت لا لوميير لو سا دنيا لا وان من اعظم واجباتنا ان نتتبع اخبارهم اي parmi nous ban plus grand devoir c'est qu'il nous le rot sa ban dimoun la zot akhbar zot ban information zot la vie wa an tanshar ala ad-dunya abir siratihim al-atira et qu'il nous fan lo salatiela zot sira zot la vie zot nouvelle wa an nuqaddimahum lil bashariyya kulluha qudwatan wa muthlan aliya et nous met zot de l'avant sa ban sahaba la sa histoire sa ban dimoun la
nous mettre ça de l'avant comme l'exemple, comme rôle modèle pour ban dimoun, mais pour tout insan, non seulement pour ban musulman, mais pour toute l'humanité. Wa innana al-yawm ala maw'id ma'a kawkibin min kawakib al-mujtama' an-nabawiyya. Et aujourd'hui nous en rendez-vous avec une étoile parmi les étoiles de la prophétie. إننا اليوم على موعد مع كوكب من كواكب المجموعة النبوية الكريمة المباركة. Nous en rendez-vous avec une étoile de la prophétie. نقدمه اليوم قدوة ومثلا أعلى لشباب الصحوة الإسلامية بصفة خاصة. Nous présentons ça héros-là aujourd'hui, spécialement pour Banzan, et spécialement pour Banzan qui en vit témoigne un réveil de l'islam, un réveil de la communauté musulmane. Nous présentons ça comme un exemple pour ça Banzan-là en particulier, et Walid Jamir al-Muslimin, et pour tout Ban musulman en général, Walid Jamir al-Bashariya, et pour tout l'humanité en général. فأعيروني القلوب الأسمع. Donne-moi je te le cœur, je te l'écoute. لنعيش مع هذا البطل. Pour nous vivre avec ça, héros-là. لنعيش مع هذا الشاب. Pour nous vivre avec ça, jeunesse-là. إنه شاب صغير. C'était un jeune qui était très jeune. من شباب الصحابة رضي الله عنه. Parmi une jeunesse de من صحابة. شاب أسلم في الثامنة عشرة من عمري. Un jeunesse qui finit من إيمان, qui finit accepter l'islam à l'âge de 18 ans. وتوفي في الثالثة وثلاثين. 30 من عمري الين مو على جو 33 ans. يا سبحان الله فمتى استطاع ان يخط على جبين التاريخ هذا المجد. Quand nous pouvons pas écrire l'histoire, le front de l'histoire, ça le nez là. Les fins vivent, un jeune qui finalement est iman à l'âge de 18 ans, et l'imo à l'âge de 33 ans. Écoutez, mon frère, mon sœur, laisse-nous vivre ensemble avec ce héros-là. L'inaïch ma'a hâd al-shab al-taqi al-naqi, qui nous vive avec sa jeunesse, qui n'a taqwa et qui pure. Fafi laylatin min layali makkah, parmi elle la nuit de la nuit de makkah. Laylun damisun, elle la nuit qui s'y noire. Wassamtu mukhim, et le silence s'y fané. Partout, ou le zalam chamil, et la noix est siphonée partout, ou le soukoun yudfi ala al-khiyam fi mina haybatan wa ijlalan wa waqaran, et là c'est le silence, fin fait faner l'oban de l'attente qui tient dans mina, dans l'endroit dans l'arabie qui appelle mina, le silence fin faner partout, et l'IPF, ça va de l'attente apparaître, on dirait. En révérence, en honneur, en respect. وَإِذَا بِكَوْكَبَةٍ مُضِيَّ مِنَ الْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَسَلَّلُونَ بَيْنَ خِيَامٍ مِنَ تَسَلُّلِ الْقِطَرِ. Alors, ce qui est arrivé dans cette époque-là, dans cette place-là, un petit groupe de man ansar, man habitant Madina, fin descend, je peux cacher en savant la tente-là, je peux faufiler en savant la tente-là, pour je te marcher, je parle de l'expiation, connais que je te là. وَكَأَنَّهُمْ قَدْ سَرَقُوا الْإِيمَانَ سُرْقَةً. Comment dire, je fin coquin, je fin gagne un bout d'Iman, et je de préserver sa iman là. Il a aïna aïuha l'akhyar al-athar. Quand ça se peut aller, mon bon frère, mon bon sœur, il a l'aqaba. Se peut aller à l'aqaba. L'imada, qui fait se peut aller là-bas, l'imula muqabalatin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes un jeune prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min ajlimada, à cause qu'ils a fait. Zot piel là-bas, Paul fait bay'a, Paul prend l'engagement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les fins zon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zot demande-li, ala ma nubayi'uka ya Rasulallah, l'oki qui chose nous prend l'engagement avec toi ya Rasulallah, fayakoul al-habib, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, تبايعوني على السمع والطاعة في المن في الم في المنشط والمكره. Je prends l'engagement avec moi qu'ils peuvent obéir à moi, même qui dans qui soit qu'ils soient contents et dans qui soit qu'ils soient pas contents. وعلى النفقات في العسر واليسر. Et dans dépenses. De prendre l'engagement pour dépenser que je donne bien, que je donne en difficulté. Ou ala l'amri bil ma'ruf, et pour donner l'autre pour faire le bien. Ou annahi anil munkar, et pour empêcher le mal. Ou ala an taqulu fillahi la ta'khudhukum fihi lawma tala'im, et c'est pour que la vérité concerne Allah, et c'est pas pour payer blâme de bandimoun qui blâme. Ou ala an tansuruni idha qaddamtu alaykum yathrib, et c'est pour aide-moi comme vous pouvez que je donne à Madina. Ou ala an tamna'uni mimma tamna'un minhu anfusakum wa abna'akum wa azwajakum wa lakum al-janna, et je vous protège moi contre ban kitchou qui se protège de bonnes enfants, de famille, etc. Je vous protège moi contre ça ban kitchou là wa lakum al-janna, et je pour gagner janna. Après une petite conversation, ban sahaba ikram de tout fin d'accord pour je dis à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donne nous te la main et nous pour prendre l'engagement avec toi, nous pour accepter ça ban condition qui te mettait là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin étend sur la main sharif, et ban la fin prend sur la main, fin pose la main Rasoul sallallahu alayhi wa sallam.
Et parmi ça, man l'amé là, man frère, tu n'as un l'autre l'amé, un petit l'amé, un zénès qui tient à 18 ans, il y a d'un sarira, un petit l'amé, wadi alishabin karim, pour un zénès qui tient karim, qui tient généreux, barak al-thanaya, il est tout le temps souriant, yabhur al-absa bihudoui wa summatihi, ban lisez, tu peux étonner quand tu peux être so calme, so cool, n'est-ce qui s'adit mon latina, fa ida ma takalama izdadat al-absar in biharan wa takdiran wa ijlalan wa ihtiraman, et quand il causait, tout man zimoun étonné. Avec ses paroles, هذه اليد الكريمة المباركة تمتد من وصف هذه الأيدي الكريمة لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة الثانية. Et ça, il a mis la fine étendue pour lui faire l'engagement, pour lui prendre l'engagement avec رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et vous êtes connus qui s'en a salamé là, bon frère, qui s'en a sa zénès là. إنها يد مقدام العلماء, c'est plus brave devant العلماء qui nous causait aujourd'hui. إنها يد إمام الحكماء, c'est la main de إمام الحكماء. C'est la main de Sayyid al-Da'i, c'est parmi les plus grands da'i que l'islam fin connaît. Innahu man, qui s'en a nous peut causer. Innahu shab, alladhi nous qaddimu al-yawm, li shabab al-sahwa al-qudwa. Nous peut présenter un zénès aujourd'hui pour un zénès qui a envie un réveil islamique. Innahu Mu'adh bin Jabal, il appelle Mu'adh bin Jabal, Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu. الذي لو وقفنا مع تاريخنا لتحسرنا على حياتنا. Si nous arrivions à étudier la vie de Mu'adh bin Jabal, nous pouvons s'agréer le nous la vie, parce qu'il a nous pouvons quelle quantité de travail que Mu'adh bin Jabal fin fait dans son année 18 à 33 ans, quelle quantité de choses il a accompli pour l'islam, nous pouvons s'agréer, nous pouvons honter avec nous ben quelque chose qu'il nous n'est capable de faire pour nous dire, ben frère. قصه حياه عجيبه, une histoire étrange, قصه كفاح رهيبه في هذه السنوات القصار الطوال, la lutte, une histoire de la lutte, une confrontation pendant un petit guide le temps qu'il est fin vivre, qu'il est fin faire pour ça l'islam là. Ben frère, ben sœur. Omar bin al-Khattab radiallahu anhu lui dit une parole qui est sahih, qui est confirmée par les autres ulama, lui dit, et les autres connaissent qui c'est Omar, lui dit, man arad al-fiqh fali'ati Mu'adh bin Jabal. Il y a celui qui a envie de gagner le fiqh, gagner la connaissance, la jurisprudence islamique, la loi islamique, qu'il y a le prend ça avec Mu'adh bin Jabal. Ibn al-Ishrin ou Thalafin, il n'a pas même 30 ans, pas même 20 ans, il y a Omar bin al-Khattab, il y a celui qui a envie d'apprendre fiqh, qu'il y a le get Mu'adh bin Jabal. Allahu Akbar. Et prend parole ابن مسعود رضي الله عنه لجاكم سا ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو لسكليته لفين ليا ده قرآن لفين جاء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله لجاء إبراهيم لتن أمة لتن كوميونيتي أن لي ميم أوبيسا أنفي الله سبحانه وتعالى أنسيت ابن مسعود قال لفين ليا سالي جيا إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله إذا معاذ بن جبل لتكم أجن كوميونيتي لفيت غاي comme a dit des centaines et des centaines de dimoun juste tout seul tout beaucoup de travail il fait pour un dimoun umma qanitan lillah li obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben frère, ça va un témoignage là, il n'est pas égal à témoignage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Mu'adh bin Jabal. Isma'u mada qala Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh bin Jabal. Écoutez qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire concernant Mu'adh bin Jabal. Il dit comme ça, subhanallah, il dit comme ça, خذوا القرآن من أربعة. Elle prend le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah prend le Coran avec quatre dimoun qui sont là. Il dit min Abdullah bin Mas'ud, avec Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, avec Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adh bin Jabal, wa Salim mawla Abi Hudhayfa. Il dit Allah prend le Coran avec Mu'adh bin Jabal. Bal wa yadhkur an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Mu'adhan ma'a sahabiyayn jalilayn. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne Mu'adh bin Jabal ensemble avec des plus grands sahaba qui n'existait ensemble avec Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu an et Omar bin al-Khattab. Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui est sahih, il dit comme ça, ni'ma ar-rajul Abu Bakr, qui a été bon dimoun ça Abu Bakr, wa ni'ma ar-rajul Omar bin al-Khattab, qui a été bon dimoun ça Omar bin al-Khattab, wa ni'ma ar-rajul Mu'adh bin Jabal, et qui a été bon dimoun ça Mu'adh bin Jabal. Les enfants 20 ans 25 ans mon frère, Allahu Akbar. Et qu'est-ce que médaille que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donne Mu'adh bin Jabal, un hadith qui est sahih, qui est dans
التلاميذي اي ان حديث كي نوتانتيفي با شيخ الباني اللي جا كوم سا ارحم امتي امي امتي ابي بكر بلي سولو كي نابلي بوكو بيتي دان مون امات سي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر اي سولو كي بلي سيفي دان نو دين سي عمر واصدقهم حياء عثمان اي سولو كي بلي فيريديك دان سو بيدور سي عثمان واقضاهم علي سولو كي نابلي بون جوجمون سي علي رضي الله عنه وافردهم سولو كي كومبليس لا لهيريتاج سي زيد بن ثابت واقراهم ابي بن كعب سولو كي بليكون لي سي ابي بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اي سولو كي بليكون الحلال سولو كي دام امه بليكون حلال حرام بليكون لا لوا كونسان حلال حرام معاذ بن جبل سبحان الله 20 ans 25 ans يناس 20 ans 25 ans لو بليكون حلال حرام سبحان الله اعلم الامه بالحلال والحرام اي رسول معاذ بن جبل جن ان بلاس سبيسيال دون لي كير رسول الله صلى الله عليه وسلم جيت سالوت ميداي كي لي غاني افيك رسول الله صلى الله عليه وسلم جيت سالوت سيرتيفيكا كي لي غاني افيك رسول الله صلى الله عليه وسلم انزو لي ميم لي نيتوني كان سو حبيب فين جالي سا كي تشوز لا سا شيخ يبي راكونت سا حديث سا سا خطبه لا لي نيتوني لي ميم قال لي فين لي سا حديث لي دي لي فين ايتوني فين كي سا فين بيزا ريفليشي لو سا حديث لو سا بارول كي رسول صلى الله عليه وسلم بو جامع معاذ كي سا بارول لا مان فرير ان فرسول صلى الله عليه وسلم يطرب لا ميد معاذ بن جبل سبحان الله اليز عليكم سا يا معاذ يا معاذ او معاذ يابل لي با يدلي يا ريسبي لامور يا معاذ والله اني احبك مفاسي امل الله كي مكونت ان تو سبحان الله Il y en a parmi nous, parti pour content, gagne un titre comme ça. Nous tous nous disons, nous content, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien qui a eu l'occasion, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à lui qui, je suis content, toi. Nous sommes content, comme une fois nous allons dire comme ça, Al-Muhim, important qu'il te content, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est plus important, c'est qu'Allah content, toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi, il m'a fait si mal au Allah qui me content, toi, ô Mu'adh. اي معاذ صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماما وبابا sacrifié pour toi يا رسول الله والله وأنا أحبك يا رسول الله يا والله par Allah mauvaisement والله moi aussi mon compte toi يا رسول الله فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تدع فإني أوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Je me conseille, toi qui te pas quitte ça, quitte chose là, après chaque namaz, faraz, qui te dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pense à l'ien, quitte chose, avant les alis ça, les alis, oh, me compte en toi. Je me fais si amal, Allah subhanahu wa ta'ala, me compte en toi. Et c'est un sahabi, Mu'ad bin Jabal, qui t'y gagne l'occasion pour promener. Pour aller ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'eau monture. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux monter une monture, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre l'île, tu peux mettre l'île par des guerres. Subhanallah. Je dis parfois qu'un dimoun, il voyage avec un ministre, avec un président. Comment il sent-il honoré quand il peut aller au chemin avec sa dimoun-là? L'île, il peut ensemble, l'eau, les dos, un bourrique avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il dit comme ça, « Ya Mu'adh, oh Mu'adh !» Mu'adh parlait tout de suite, dit « Labbaik, Rasulallah wa sa'daik, mon présent, ya Rasulallah. » Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu valorises, man jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça à cause de là, ensuite il n'y a pas d'aline en yé. Dès qu'il appelle là, pour rester tranquille. Ensuite, après il y a un temps, comme ça, le prophète dit « Ya Mu'adh, oh Mu'adh, il dit « Labbaik. » Pas comme certaines man jeunes, aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les autres, crie les autres, tu restes loin. Je te reste loin de battre côté. Pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour un dimoun qui écoute ce parole, qui apprend ce parole, comprend ce parole et pratique, met en pratique sa parole-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour ce dimoun-là. Il dit Oh Allah, illumine figure. Fais un dimoun-là, ce figure reste jeune tout le temps. Dua que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait pour un dimoun qui compte apprendre le hadith. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle sa manzène-là. Non. Non. Mais lui, quand appelle lui, quand appelle Mu'adh, Mu'adh al-Abbaik wa sa'idaik, mon présent, ya Rasoul Allah. Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, est-ce qu'il te connaît qui haq Allah et n'a le souvent serviteur? Mu'adh, ya Allah wa Rasoulou, a'lam, Allah que ce messager plus connaît, lui dire, qui te adore au lit et te va mettre aucun associé avec lui? Il dit, mais tu connais, il y a là qui peut arriver, quand Manzimoun fait ça,
Mu'adh est là. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah, ce prophète, plus connaît. Mu'adh, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'allais comme ça. Mais l'éla, li papoupini ban la, li point de haq. Allah, pour faire ça, une obligation. L'eau lui-même, qui comme un dimoun fait ça, li papoupini sa ban dimoun la. Subhanallah. Subhanallah, mon frère. Allahu akbar. Get Mu'adh bin Jabal. Souvent, des fois, il y a une conversation entre lui et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, Mu'adh bin Jabal, il saute avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et get qui question, il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jeune qui est intelligent. Il a dit, ya Rasulallah, akhbirni an amalin. Informe-moi une action qui m'a pour faire, qui pour amener moi dans le paradis, pour éloigner moi avec différents enfers. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, laqad sa'alta an adhim. Il te fait une demande, une grande question, la Mu'adh. Tu peux reconnaître une action qui peut amener toi dans le jannat, qui peut éloigner toi avec différents enfers. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, fais un namaz, ado Allah tout seul, pas mettre shirka, pas mettre associé avec lui, fais un namaz, garde rosa, donne zakat. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, oh Mu'adh, est-ce qu'il te voulait me montrer toi, ban la pote de khair, ban la pote de du bien? Naam, bala ya Rasulallah, montre-moi man la pote de khair. Il a dit comme ça, as-sawm junna. Il a rosa une protection pour toi ça. Il a sadaqa, les poutins ils ban péché, pareil comme dès le temps il dit fait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut continuer montrer les ban quelque chose là. Il a dit comme toi les montre quelque chose qui plie important et poteau de ça quelque chose qui plie important là et sommet de sa poteau là. Mu'adh, oui, montrez-moi. Il dit quelque chose qui plie important, c'est al-islam, ce poteau, c'est salat. Et le sommet de sa poteau là, c'est al-jihad ou fi sabilillah. Subhanallah. Léla Mu'adh, il dit, oh Mu'adh, est-ce qu'il te l'a montré toi, une quelque chose qui englobe tout ça dans les affaires là? Subhanallah, Mu'adh, naam. Bala ya Rasulallah. Parce qu'il a les minourots de ce jannat là, Mu'adh, les minourots de ce jannat pour éloigner avec l'enfer. Un jeune qui n'a envie qu'un jannat, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Jalis, il prend sur la langue, il met des hauts. Rasul sallallahu alayhi wa sallam trappe sur la langue. Il a dit comme ça, protège sa la langue là. Protège sa la langue là. Ça même lui possède tout ça, man, quelque chose qui m'en enseigne toi là. Alors Mu'adh bin Jabal est étonné d'aller comme ça. Est-ce qu'il peut trapper nous l'eau, ça qui nous la langue, une fer? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Thakilatka umuka ya Mu'adh. Ya oh, quitte maman, paix, dis-toi, oh Mu'adh. Tu pas connais pour un abandon qui vous tombe dans l'enfer, zis avec bonne action qui saute la langue une fer. Ya Mu'adh, subhanallah. Get sa man conversation, get sa l'école qui Mu'adh bin Jabal sorti, ban frère, ban sœur. Get ce professeur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oustad un karim, un bon professeur, un bon l'école qui fin gagné. Et là d'une gamane production, comme Mu'adh bin Jabal, banzen qui ne prend pas de responsabilité, qui ne lève sa ummala. Et un de mes grands moments de l'histoire islamique, ban frère, quand man les rois de Yémen fin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, envoie écoute nous un dimoun qui peut enseigner nous din. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à guetter parmi ses 20 sahaba, qui s'en a qui lui pavoye dans Yémen pour lui enseigner din. Et il y avait un grand sahabi, celui qui s'appelait un zénis, qui n'a pas encore gagné, capable 25 ans, 30 ans, pas encore gagné même. Subhanallah. C'est là ça, Mu'adh bin Jabal. Il disait, oh Mu'adh, allez dans Yémen pour aller enseigner ben, ce din. Et c'est un moment qui, Mu'adh bin Jabal, pour sortir pour aller là, un moment extraordinaire. Mu'adh bin Jabal, il monte le surmonture. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis accompagne-lui à côté, puis moi aussi. Il peut accompagner Mu'adh le surmontier pendant long temps. Et il peut rester donner Mu'adh conseil. Il peut, comme on dit, il dit, qui qualité tu besoin faire da'wa. Et qu'est-ce qu'il donne conseil, il donne ça aux élèves, ça l'est là. Il dit comme ça, ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tu besoin de banzimoun qui, man ahlul kitab, ça ban juif, ban chrétien, surtout ban chrétien. Fal yakun awwal ma tad'ouhum ilayh, shahada an la ilaha illallah. Fais en sorte que le premier quelque chose qui t'invite ban là, c'est shahada an la ilaha illallah. Ça quelque chose qui plie important ça. Tu invites Dieu vers la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Ensuite, fa inhum ata'u, si ban là fin obéir, بذلك لو ساكيتوزا فاخبرهم انفورم زوت كينا 5 نماز لوزوت ensuite si banna fin obéir toi informe zot ki ena zakat ki ne fait faraz zot ban riche pour tirer pour donner zot ban pauvre si banna obéir toi alors connais ô Mu'adh ki da'wa madhloum en du'a de andimun ki peut subir l'injustice entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala peina aucun voile
بين أوكان فوال أنتن جمون كي بسوبيا لانجستيس avec الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الكريم لي بي كونسيي سوز إليف et ça moment là incroyable لي بي accompagne سوز إليف لو سو مونتور et لي permet معاذ pour لي faire معاذ سلام pour لي faire pour لي quitte معاذ et avant qu'il quitte معاذ لي dit معاذ en affaire une quelque chose extraordinaire comme si sa quantité l'étant là Cheikh Mohamed Hassan dit comme ça sa quantité l'étant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin prend avec Mu'adh pour l'accompagner pour lui faire salam y aller Cheikh Mohamed Hassan dit comme ça comme si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin envie trouve Mu'adh bien fin envie rempli ce lisier avec Mu'adh bin Jabal et là il allait comme ça ya Mu'adh عسى الا تلقاني بعد عامي هذا يا او معاذ peut-être qu'il après cette année là tu n'as pas besoin de moi subhanallah dit peut-être après cette année là tu n'as pas besoin de moi ولعلك تمر بمسجدي وبقبري يا peut-être que tu pourrais tourner tu peux pas côté mon masjid et tu peux pas côté mon qabr tu n'as pas besoin de moi après cette année là subhanallah comment tu étais au Mu'adh quand celui qui te plie content il informe-toi qu'il sa même dernière fois tu as besoin de lui l'eau salatée là comment tu étais au Mu'adh quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il disait peut-être l'année prochaine tu ne peux pas scouter mon qabar tu ne peux pas trouver moi dis-moi qui te plie content être qui te plie content être qui t'en accompagné toute longue de la vie tu ne donnes de la vie pour lui Il peut dire toi l'année prochaine, peut-être pas pour trouver moi. Subhanallah. Et tu ne peux pas scouter mon qabar. Mu'adh bin Jabal, il commence à pleurer. Et tellement il commence à pleurer, cela il commence à couler, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit arrête de pleurer. Pas pleurer. Et allez, c'était là, à notre chemin. Et Mu'adh bin Jabal finale. Et quand il retourne à Medina, après cette année-là, effectivement, رسول الله صلى الله عليه وسلم تفني وفاة تفني انتقال لنعرف قد مدينة كما تتأو معاذ قد نغد مدينة إسازولا تبانتروف تحبيب تبانتروف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تتأو معاذ قد تفن دبوت قد سقبر تكوني هنزمون كي تنكتواي تنفيف avec لي لنكونتان توا تنكونتان لي ان لامو كي سنسير كي فري لا كوز الله سبحانه وتعالى Tu fais une faune dans son amour et que tu ne passes là-bas, comme tu étais ça jour-là au Mu'adh, quand tu fais une trouvée sur le Qabar. Là, il fait une rente dans Medina, il fait une retour dans Medina après sa mission que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu as voulu dans Yémen. Il fait un jeune khalifa, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et il fait une demande de permission pour lui paraître dans Medina al-Sharifa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شاب صغير un jeune un jeunesse 18 ans et les fins mots à 33 ans les fins demandent permission avec Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu pour y aller faire jihad dans la Syrie et les finales dans la Syrie là-bas il y a un autre sahabi qui appelle Abu Ubaid al-Jarrah qui t'y occupe qui t'y chef l'armée Mais Rasoul sallallahu mais Omar ibn al-Khattab Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu après la mort de Abu Ubaid al-Jarrah qui fin mort par l'épidémie qui tifanait dans la Syrie à l'époque là il fin mettre Mu'adh bin Jabal comme chef de l'armée dans la Syrie chef de l'armée de la Syrie les pas encore même qu'un 33 ans les pas encore même qu'un 33 ans celui qui connaît le Coran celui qui le prophète fin donne l'autre pour le prendre Coran avec lui celui qui le prophète fin compte en lui parce qu'il tient une bonne manière bon caractère le prophète il compte en dit monde qui a bon caractère bonne manière il fait tous ces efforts là et là quand il arrive dans la Syrie il peut faire jihad il prend un chef il vient chef l'armée et il paye il a même 33 ans pour quelque temps il fin faire chef l'armée jusqu'à qu'il ici il fin affecté par l'épidémie qui fin éclater dans la Syrie dans cette époque là et là l'osolili la mort Lorsqu'on lit la mort, il dit une parole qui est vraiment extraordinaire. Et moi, je suis content de lire sa parole là pour vous autres. Il dit comme ça, la libre pour moi, il est affecté par maladie. Il dit, « Unzuru hal asbahna
Il dit à son compagnon qui était au lit, « Gétan kouti pa grand matin fin vini, si anko à soir, manan dali pa anko. » Il redemandait après quelque temps, « Gétan kouti pa le matin fin vini. » Il dit, « Non, pa anko. » Jusqu'à ce que le matin fin vini, manan dali le matin fin arrivé, il dit, « A'oudhu billahi min laylatin sabahuha ilan nar. » Il dit, « Mon cher, protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, contre la nuit qui sera grand matin, fais-moi tout dans dix fait l'enfer. » Subhanallah. Il dit à Moïse, protection contre ban péché, contre ban une mauvaise nuit, contre une mauvaise nuit qui se grand matin fait moi rentrer dans différents l'enfer. Qui c'est là qui peut dire ça? Mu'adh bin Jabal. Il peut gagner un père. Aujourd'hui, nous ban zenes peut profiter de la nuit pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh bin Jabal, celui qui ne passe sur la vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeune qui ne grandit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut gagner un père. Il peut dire, oh Allah, Moïse, protection avec toi, contre la nuit qui se matin pour mettre moi dans différents l'enfer. Et là, il dit, marhaban bil mawti marhaban. Il dit, bienvenue à la mort, bienvenue à la mort. Zahir ja'a ba'da ghiba. Un visiteur qui ne vini après une longue temps. Wa habib ja'a ala faqa. ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك جو الله تكونك متبيه توا ولكن اليوم أرجوك ما أزودي مدزية توا سبحان الله اللهم إنك تعلم أنني لم أحب الدنيا لغرس الأشجار جو الله تكوني مبان كونتا سا دنيا كوز بان بيه كينا لدان ولا لجري الأنهار ني بان لغيفية كينا لدان مثل ما من كونتا سا دنيا كوز بان مومان كينا كي نون كاباف باسي avec بان علماء بان مومان كي نون كاباف باسي دان تو ذكر بان مومان كي نون كاباف باسي دان بان بون كومباني نو فينا بران كونسانا تو دين سا بان مومان لا كي مو فين كونتا سا دنيا يا رب العالمين إلا صروح صوتي معاذ بن جبل يا القدس رب بو يالزون سو بان كومبانيون بو يالزون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ويا زون بن كومبانيو دو محمد صلى الله عليه وسلم شاب انزن 18 ans 33 ans رسول صلى الله عليه وسلم فين فالوريزي فين دوني فالير فين كونستروي ا سو بيرسوناليتي فين ايدوكلي فين فورملي اي كي كاليتي بطل اسا تيلاس كي ينالا لين فين ان هيرو لين فين ان شيف دو لارمي لين فين ان سولو كي لو بروفيت فين دون لوت بالبان قران avec lui سبحان الله وان فاير نو بانزن سي كاپا فير pareil besoin bon l'encadrement besoin l'encouragement besoin qu'il te retourne vers sa dine là retourne vers sa dine là oh mon banzen retourne vers quran retourne vers salat vraiment Allah subhanahu wa ta'ala pouvait victoire à sa ummat là quand nous vont retourner Allahumma rudd shababina ila shababana ila dinika maraddan jamila wa la retourne nous banzenes vers ton din ya rab al alamin wa la retourne nous banzenes vers ton din ya rab al alamin wa la descend iman dans les cœurs nous banzenes de sa ummat là ya rab al alamin ya arhamar rahimin retourne nous bantifi vers hijab ya rab al alamin retourne nous bantifi vers vrai hijab veux nous bantifi couverts de les cocons convenablement comme bizan ya rab al alamin ya zal jalal wal ikram Éloigne-nous, bons enfants. Éloigne-nous, bons enfants, contre bonnes mauvaises choses, la drogue, etc. Éloigne-nous, bons enfants, contre ça, bonnes choses. Ya Rabbal Alamin, protège-nous, bons enfants. Et guéris-nous, bons dimoun qui malades. Et bonnes malades de bonnes musulmans en général. Guéris ça, bonnes dimoun, bons enfants, ya Rabbal Alamin. Ya Rahman Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa aqimis salah.